cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint, avec les anges on adore. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint, avec les anges on adore. Et ce jour-là, sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, à partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. À partir, je dois partir.
les appels chirurgicaux. Écoutez, c'est... Merci, maman, merci. Nous savons tous que la parole de notre cher est toujours pour nous une parole douloureuse. Mais malheureusement, il y a un problème qui dit maman, s'il te plaît, maman, je vous en prie. S'il vous plaît, maman. Merci, merci maman, merci. Nous savons qu'il y a un temps pour tout, maman. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour partir. Notre maman est partie. Et bien, je pense que après ici, nous irons à l'église. Après l'église, nous irons au cimetière. On vous dit simplement que ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas eu le temps de venir voir maman, pourront voir maman au cimetière. C'est prévu pour ça. Mes chers parents, on va écouter une chanson que nous connaissons tous parce que dans quelques instants, ça sera la fermeture. Nous allons faire le tour, on fait le tour s'il vous plaît, pour pleurer. Thank you.
Merci mes parents. Merci. Merci. Un moment, asseyez-vous. Nous allons préparer la sortie. Cette animation, on la fera encore au cimetière. Merci. Et ce jour-là,
Eh, ye bimbongote, eh, ye bimbongote.
ba po kwete e bi ba balanze o Ezala ki na vraiment ko très puissant sur la terre Ezala ki na mona na linga ki mingi Kombo na Ezala ki reste soleil Alika ki ete soki a kofi ki pale mona oya ingila na bokonzi na ye Mokolo moko balali pe balamuki ha mona oya kofi Oliwa Ebisemabe Tokili wa eva kimpongwe Eva wa pakufakate Parishe pakufakate o Eva kondi pakufakate Sokili wa eva kimpongwe Eva pananga kufakite Mama nanga ya kufakite o Deya ya nanga ya kufakite ya ya Holy way ya ya
personne qui va venir tout à l'heure, c'est vous, c'est là la lumière, comme ça elle ne peut pas venir. Hein. Il y a des draps pour nous recueillir auprès de Thérèse, qui nous quitte pour aller vers le Père, et pour entourer tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que toute sa famille, de notre affection et de notre prière. Puisse ce temps de prière apporter un peu de paix et de lumière dans leur cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous allons maintenant faire le rite de la lumière. Le Christ Jésus, il est mort et il est ressuscité. Et nous avions donc allumé le siège pascal, le siège pascal qui représente la résurrection de Jésus. Cette lumière que nous voulons apporter auprès de notre maman, de notre grand-mère, de notre sœur. Thank you.
Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis et les parents de Thérèse qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et vous asseoir que vous ayez la parole. Et nous appelons Déborah. Tu ne parles plus, mais tu es vivant. Tu ne bouges plus, mais tu es vivant. Tu ne souris plus, mais en arrière de tes yeux, tu me regardes de très loin. Peut-être tu es très près. Je ne sais rien de cette distance. Je ne sais plus rien de toi. Mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi. Tu es en Dieu. Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire, mais sûrement ce que tu voulais et ce que je veux pour toi. Je le crois. Toute ma foi, je la rassemble. Elle est maintenant mon seul lien avec toi. Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort. Celle que j'aime veut entrer dans ta joie. Si elle n'est pas prête, je te prie pour elle. Achève sa préparation. Pardonne-la comme tu sais pardonner. Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux, que je ne la déçoive pas. Maintenant qu'elle va me voir vivre et m'attendre. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà mon évangile. Pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu, c'est pourquoi je supporte tout, pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejetterons. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens mes fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'un veilleur me guette l'aurore. Oui, près du Seigneur et l'amour près de lui. Abonde le rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
même sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, poussant un grand cri, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Le sabbat dernier, Marie Magdalène, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a ouvert la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est resté, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait découvert. Acclamons la parole. Et les textes que vous avez choisis nous aident à comprendre
n'ayez pas peur. Ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons pas autre chose. Cherchons simplement tout ce qu'elle a fait pour nous, notre maman terrestre, notre grand-mère, notre soeur, notre ami. Ce qu'elle a fait pour nous devient un héritage qui reste gravé dans notre cœur. N'ayons pas peur. N'est pas morte, elle est vivante. Et c'est cela, je dis mes frères et sœurs, c'est cela la joie du chrétien, celui qui a mis son espoir dans le Seigneur, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur. Nous pleurons, et c'est normal. Et je l'ai dit parce que nous l'avons pleuré. Mais réjouissons-nous, parce qu'elle a été le corps, elle a été la joie de la famille, elle a été l'amour de la famille, elle s'est donnée. Et aujourd'hui, elle part vers le Seigneur, celui-là qui l'a créé. Maman Thérèse, tu es merveilleuse, tu es grande, et nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi, et nous sommes très contents de tout ce que tu as fait. Tu sais, aujourd'hui, tu t'en vas vers celui qui t'a créé, Jésus, tu t'en vas vers Dieu le Créateur. Tu vas t'asseoir auprès de lui, parce que Jésus même a dit, je pars vous préparer une place et je vais venir vous prendre. Aujourd'hui, Jésus est venu te prendre pour que tu puisses occuper cette place préparée pour toi depuis ta naissance. Occupe cette place et reste auprès de Dieu. Toi qui es là et toi qui parles maintenant avec le Seigneur, nous te demandons simplement une chose qui nous intéresse. Du haut du ciel, prie pour nous. Pour qu'il y ait la paix dans notre famille, pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait la santé. Toi qui es encore près de Dieu, dis à Dieu de nous pardonner pour toutes les fois qu'on t'a offensé. Dis à Dieu, ma prière, de veiller sur nous et que nos projets se réalisent parce que toi tu as voulu cela. Dis à Dieu. Nous te rendons vraiment hommage, hommage parce que tu vis auprès de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous qui sommes réunis autour de notre maman, nous rendons hommage. C'est aussi le moment pour tout un chacun de réfléchir à sa propre vie. Comment nous menons notre vie sur cette terre? Que notre vie aussi soit intéressante. Pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Si maman Thérèse avait peut-être dit une parole qui nous a offensé, elle-même avait dit qu'elle nous avait offensé. Parce qu'elle nous aime, elle a dit cela, elle nous a insulté, dans le sens de nous rappeler. Alors, maman Thérèse, tu t'en vas, mais tu restes dans notre vie et dans notre cœur. Et la lecture contemporaine, maman, tu es vivant. Au revoir. Et sois certain que tu es dans notre cœur. Merci pour tout. Merci pour tes paroles, pour ton silence, pour ton amour pour chacun de nous. Va maintenant en paix de repose-toi auprès de celui qui t'a créé aujourd'hui et pour les siècles. Auprès de ceux qui nous ont quittés, particulièrement Eugène.
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, à cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la même unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je suis sur la parole que je te fais. Nous allons maintenant communier au corps du Christ. Ceux qui ont l'habitude de prendre et de recevoir le corps du Christ, également c'est de recevoir Jésus.
permet de purifier par cette Eucharistie et dégager de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, l'Église rend hommage à notre maman qui a entendu les petits-enfants parler en te disant adieu, en te disant au revoir et en te disant t'aime et on t'aimera tout. Reste gravé dans notre cœur, grand-mère, ma maman Thérèse. Reçois maintenant les signes de l'Église, le parfum de Dieu, l'encens. Nous venons de prier pour toi et toi aussi tu pries pour nous. Reçois cet encens, le parfum de Dieu, que cette fumée qui va maintenant monter vers le ciel soit l'expression de nos prières qui t'accompagnent vers celui qui t'a créé. Repose en paix et ne nous oublie pas. Prie pour nous. Nous allons utiliser aussi l'eau parce que tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que cette eau te ravive pour que tout ce qui est la vie éternelle. Et au nom de l'Église,
prions encore le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons notre maman, notre sœur, notre mère. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni cœur, ni larmes, ni douleurs, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Messieurs les parents, pour la bénédiction, nous allons commencer par la ranger au fond et vous allez passer par ici. Et puis, monsieur le ministre, madame, vous guider, vous allez venir sur tout le roi pour venir. Ceux qui sont à ma droite sortiront de l'autre côté, ceux qui sont à ma gauche, la même chose, sortiront par ici. Merci. Non, non. Parce que...
Thank you.
Oh, Kazi, Kazi, what's that?
Chers parents, c'est ici où notre maman va se reposer pour l'éternité. C'est ici. Alors, les parents m'ont dit ceci. On va ouvrir pour 5 minutes seulement ceux qui n'ont pas vu maman de l'autre côté. Vous avez vu maman là-bas. Laissez seulement ceux qui n'ont pas vu maman pour venir voir maman pour la dernière fois. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est dur, mais on a un timing à respecter. Vous pouvez supporter? S'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas vu maman peuvent venir voir maman, s'ils le veulent. Ceux qui ont déjà vu maman, laissez aussi les autres voir maman. Merci. Monsieur
Chers parents, excusez-moi. J'ai nettoyé maman avec ce mouchoir. Je vais mettre ce mouchoir pour partager avec maman. Je ne peux pas dire que non. Mon avis, non. Un peu mouchoir, il y a qu'un bigrié. Vous dites bon, pardonnez-moi. Mes chers parents, merci. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Yameloni wi di saleno. Jele kwa ni kwetata mangwana. Yameloni wi di saleno. Mutoto tatuka, mutoto tukana. Jele kwa ni kwetata mangwana. Mutoto tatuka, mutoto tukana. Jele kwa ni kwetata mangwana. Jele kwa mikwetata bangwana, yame no miwidi saleno. Ama kunga mwande, wazo nono na tala njengi umamu. Owe kwale mama, mwote asuma. Owe kwale, owe kwale, owe kwale mama, mwote asuma. Owe kwale mama, mwote asuma. Attention, ne vous appuyez pas sur les tombes qui sont là, ne marchez pas dessus, parce que nous aussi, on n'aimerait pas qu'on marche sur la tombe de notre fille, de notre maman, de notre soeur. Merci. Nous avons donc le grand frère, l'oncle de la famille qui est ici, qui va dire des mots avant qu'on puisse faire venir notre prêtre. Il va faire une petite bénédiction avant de faire la chanson au revoir. Tonton, où est-ce qu'il est? C'est où, tonton? Il est là, il est là. Il est où? Ah, papa, viens ici, là. Tonton. Il y a un délire. Moi, je suis là, je suis là, je suis là. Tout le monde est moché, tout le monde est moché. Malade, je suis là, je suis là. À la dernière minute,
quand j'ai eu cette nouvelle, j'étais vraiment perdu. Je ne savais que dire et j'ai perdu beaucoup de minutes pour me reprendre. La vie est difficile comme je ne t'apprends rien. J'étais dans une famille. Malgré les problèmes autour de cette famille, dans cette famille, comme nous l'avons entendu dans les prières des uns des autres, comme nous l'avons suivi à l'église, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. J'ai suivi tout à l'heure une chanson qui disait cela aussi. Pardonnons ceux qui nous ont offensés. Je sais ce qui se passe dans la famille. Tu es un enfant de Dieu. Tu étais dans le chemin de Christ. Tu es morte, c'est vrai. À l'église, on nous a dit que ma Mendenza n'est pas morte. Moi, j'ai la pleine conviction et le ferme espoir. Je te rappelle. Que tu es dans Jésus-Christ. Pardonnons ceux qui nous ont offensés. La paix de cœur, s'il te plaît. Nous sommes nombreux dans cette famille, surtout ici à Paris. Je l'ai dit même aux enfants qui sont nés ici, qui sont petits, qui ne connaissent pas la famille. Nous sommes nombreux. Si nous nous ressemblons, ne serait-ce que la famille qui est à Paris ici, le nombre qui est ici est très peu. Nous sommes nombreux. Et parmi cette famille, je suis la première personne arrivée à Paris. Je suis à ma 50e année à Paris. À toute fois que tu venais, je n'étais pas au courant. Tu as souffert, je n'étais pas au courant. Donc, vraiment, le temps passe, je ne serai pas long. Yamzenza n'est pas morte, je le sais. Yamzenza est avec nous. Pardonne ceux qui t'ont forcé, s'il te plaît. Yamzenza est morte. Oui, tu es morte, c'est vrai. Mais la mort n'est pas du tout une perdition pour ceux qui... Pour ceux ou celles qui croient en Dieu, la mort, je répète, n'est pas du tout une perdition pour ceux ou celles qui croient en Dieu. Tu as cru en Dieu, tu iras à côté de notre Père Céleste. Donc, pour ceux qui t'ont offensé, je demande pardon à leur place. Notre grand-mère, à Dieu le Créateur, par l'intercession d'une dame qui s'appelle Marie, elle qui prie pour nous qui croyons. Remettons donc notre maman Thérèse à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jésus est resté au tombeau et le troisième jour il est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi avec cette croyance, cette espérance, nous voulons bénir la tombe de notre maman au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, chers parents, pour vous dire que après la cérémonie, ma famille vous convie tous. Voilà. Alors, la salle où il y a eu la veillée, c'est ça, 64 rue de... Au revoir, papa, on te dit à son âme.
Au revoir, 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 au rev